Voilà. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Kramaga 16. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 8 décembre. Et donc, on va commencer ce live tout de suite. Comme promis, donc, nous allons faire du couteau. Donc, et principalement, on va faire du couteau dans l'optique de la deuxième Darga. Et ce qui est très intéressant dans cette dynamique de couteau, c'est que même un débutant peut très bien comprendre les techniques. Et en gros, ce sont des choses qui peuvent arriver assez rapidement, donc c'est quand même pas inintéressant, effectivement, de le voir assez vite, même si ça devient un petit peu compliqué parfois, parce qu'il faut apprendre faut avoir un certain niveau de gestuelle et d'automatisme. Mais c'est pas grave, on assume complètement ça au sein de KM16. Alors, on a un petit peu changé l'orientation de la caméra pour que vous puissiez me voir. Bon, il n'y a peut-être pas assez de lumière. Tiens, Marion, est-ce que tu peux allumer la lumière là-bas pour voir si ça fait une différence? Ok, donc je vous propose de commencer un tout petit échauffement. Donc, je suis conscient que vous ne serez pas forcément nombreux ce soir parce que c'est aussi l'ouverture de la chaîne de la FEKM. Mais ce n'est pas grave, nous, on va continuer notre petit bonhomme de chemin et on s'associe bien évidemment à ce que fait la Fédération Européenne de Krav Maga de notre côté, bien sûr, tout en respectant la forme, la norme de la FEKM. Donc, on continue notre petit bonhomme de chemin comme on le fait depuis le mois de mars de cette année. Je vous propose de tout de suite commencer. Donc, pareil, on va faire un petit échauffement très, très, très doux, très, très simple. Merci pour les lumières. J'allume pas celle-là parce que du coup, ça date. J'allume pas celle-là parce que du coup, ça fait une grosse lumière en plein milieu du chemin. Ok. Bonjour Véronique, bonjour Alain. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et que cette comédie du masque dans la rue va bientôt cesser. Je crois qu'on a tous ras-le-bol. Hein, et qu'on pourra partir au ski, bien sûr. Hein, et qu'on pourra skier. Voilà. Bon, bref, encore une fois, on n'est pas là pour faire ni de la politique, ni quoi que ce soit. Mais il y a quand même quelques incohérences qu'il faut noter. Voilà, et comme je ne vous ai pas en direct, de temps en temps, je vous en parle. Donc voilà, donc ici, bras droit, jambe gauche. Bras gauche, jambe droite. Bref, c'est déjà un petit travail très intéressant à faire. Et ce soir, je suis donc accompagné de Marion, qui est par ici, sur la gauche, et qui est en train de faire des abdominaux. Et qui me dit, mais tais-toi. Non, c'est pas vrai. Elle est toujours joyeuse, de bonne humeur. Ok. Donc je répète, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, que ce soir on va faire principalement des menaces couteaux, toutes les menaces couteaux de la 2D, deuxième Darga. Alors c'est vrai que ça vient un petit peu loin dans le programme pour les débutants, puisque la deuxième Darga, donc c'est 6 ans pour avoir la première Darga, la ceinture noire. Ensuite c'est 2 ans pour avoir la 2D, donc ça fait 8 ans de pratique. Ceci dit, il y a des principes très intéressants à prendre en compte. Et dès qu'on est débutant, c'est intéressant de commencer à voir ces éléments-là. Ok, donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ici, on repart. Bon, je disais aussi que j'étais conscient que l'audimat de ce soir ne sera pas forcément exponentiel sur la chaîne de Krav Maga 16. Mais c'est pas grave, on continue. On fait ce qu'on appelle le boulot. Et vous pourrez revoir de toute façon ce que nous présentons en replay quand vous le souhaitez. Directement sur le Facebook de Krav Maga 16. Je vais recommencer à les mettre sur YouTube, j'ai pas pris le temps de le faire. Et je le partagerai sur la Fédération Européenne de Krav Maga aussi, si c'est possible. Voilà les amis. Ok, on va se mettre en garde. Donc, jambe gauche devant. Du coup, Marion, est-ce que tu peux me dire si je suis inversé ou pas avec l'iPad? T'arrives pas à connecter, bonsoir. Donc, normalement, ça c'est mon bras gauche. Ça, c'est mon bras droit. Et je suis comment, là? Attends, en direct. Mon bras gauche, mon bras droit. Ok, de toute façon, on n'est pas nombreux à être connectés. Donc ça, c'est quelle main, quand tu es en face de moi? C'est ta main droite. C'est ma main droite, ok.
Donc, on va se mettre en garde et on va refaire le petit travail que l'on fait, que c'est une routine hein, que je vous propose. Donc, c'est de travailler des gauches en avançant, des gauches en reculant, des gauches sur la gauche, des gauches sur la droite, bref, de faire ce qu'on appelle vraiment les fondamentaux. Donc ici, gauche en avançant, je fais partir mon poing et je donne le coup. Regardez bien cette jambe-là, en fait, c'est cette jambe-là qui va faire le boulot, qui va permettre au corps d'être de trois quarts, on en parle depuis quelques temps maintenant. Donc c'est plus quelque chose qui vous est inconnu. Donc, qui vous est inconnu. Boum, boum, boum. Ok, ensuite, une fois qu'on a fait ça, ouais, c'est bon. On va aller, ouais, ça me semble être droit, ça me semble être droit là. Oui, oui, c'est bon. Ok. Donc ici maintenant on va vers l'arrière, donc là l'objectif c'est de poser intégralement cette jambe là, ce pied là, de façon à pouvoir permettre de faire le passage du poids de corps de la jambe avant. Donc ici 1, donc ici main qui part, tac, main qui part, boum, main qui part, etc, etc. Ok, maintenant on va aller sur la droite, donc même principe, mais cette fois on va créer une ouverture, vous voyez, avec cette jambe là. Donc pour l'instant j'oublie le haut, je crée une ouverture et cette ouverture va me permettre de créer cette ouverture de hanche également. Ok, donc ici il y a un petit décalage, mais je ne vais pas le travailler en latéral, je vais le travailler comme si je me déplaçais vers ma droite. Donc ici, si quelqu'un m'appelle, bonjour, ça va, hop, c'est mon pied qui donne la direction, ensuite tout mon corps va suivre. Il y a une logique, donc ici je fais partir mon poing et je frappe, je vais partir mon poing, je frappe, je vais partir mon poing, je frappe. On fait la même chose sur la gauche, mais cette fois c'est cette jambe-là qui va faire tout de suite ce mouvement-là. En sachant qu'on l'a déjà un petit peu abordé à chaque cours, c'est un pied qui chasse l'autre. Donc vous voyez cette jambe-là, en fait, si je vais vers la gauche, je me recule un peu pour être bien dans le cadre. Hop, c'est ce pied-là qui chasse. Hop, c'est ce pied-là qui chasse. Voilà. Ok, dans le même temps, on donne un coup et on donne un coup. Voilà, je pense qu'il faut que je me recule un peu. Non, je suis bien là. Ok, comme on a mis l'iPad, je fais des petits points de contrôle parce qu'auparavant, on avait le téléphone qui est plus petit. Et donc là, en fait, on essaie de faire un peu de paramétrage. Ok, donc, oui Marion, rien, ok. Donc là, on y va, donc une gauche en avançant, une gauche en reculant, une gauche sur la gauche, une gauche sur la droite. C'est parti, hop. Ok, super. Alors, c'est pas inintéressant aussi de changer de garde. Donc, pour tous ceux qui sont droitiers, je vous propose de mettre donc maintenant votre jambe droite devant. Ok, donc vous êtes en garde inversée, pour les gauchers, vous mettez donc votre jambe gauche, ce qui n'est absolument pas naturel. Et ça, c'est un travail qu'on va vous demander pour la troisième darga. Alors même si ça paraît très loin, vous savez comme moi que le temps passe très très vite et on arrive assez facilement à 14, 15, 16 ans de pratique et on n'a pas vu le temps passer derrière. Voilà, donc ici, on se met dans une garde inversée et pareil, on va faire donc cette fois droite en avançant, droite en reculant, droite sur la droite sur la gauche. Donc ici, hop, tac, ici, hop, bam, ici, tac, hop. Et ensuite, on va reculer. Donc vous avez vu, c'est bien un départ de la main. Donc c'est le départ de la main, hein. C'est vraiment ça. C'est pas, je suis déjà arrivé à destination, laissez-vous de l'amplitude de bras, c'est important. Donc là, départ de la main, bam, départ de la main, hop. Et je garde une flexion. Et surtout, vous voyez, je ramène mon bras à chaque fois. Je ne le laisse pas en suspension dans l'air. Okay, donc il se reprend, frappe, ici, frappe. Ici, frappe. À chaque fois que je reviens, je fais revenir mon bras. Oui, boum, je fais revenir mon bras. Ok, maintenant, on va aller sur la droite. Donc ici, frappe, je reviens, frappe, je reviens, frappe, je reviens. Et maintenant, on va aller sur la gauche. Frappe, je reviens, frappe, je reviens, frappe, je reviens. Ok? Donc ça peut être, on peut considérer cet exercice comme étant une routine journalière. Donc, personnellement, nous le faisons tous les jours. Et ça permet de bien ancrer les bases dans votre quotidien. Ce qui fait qu'ensuite, lorsqu'on travaille le couteau, le bâton, les pistolets ou ne serait-ce que les déplacements avec parade contre, on a beaucoup moins de problématiques d'équilibre, de déséquilibre, puisqu'on fait ce travail-là de façon régulière. Ok, donc je vous propose d'arrêter là pour l'échauffement parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Et je vous présente tout de suite le couteau. Donc, pour ceux qui connaissent le couteau, tant mieux. Certains ne le connaissent pas forcément. Donc ça, c'est un couteau qui est vraiment long. Vous voyez, donc si je le fais, il fait toute cette taille-là. Donc je ne sais pas quelle est sa taille. Ça excède 15 cm, je pense. Il doit être dans les 20 cm avec la garde, hein, avec le pommeau. Ici, on a une garde. Et cette garde-là, elle va permettre effectivement de pouvoir combattre. C'est-à-dire que
la main ne pourra pas glisser sur la lame. Hein, vous comprenez bien l'intérêt. Ok, donc on peut prendre le couteau de plusieurs façons. Donc en pique à glace, comme ceci, donc de haut en bas. On peut prendre de bas en haut, ici. Mais on peut aussi le prendre avec deux doigts pour pouvoir jouer comme ceci et pouvoir piquer également. Et pouvoir passer assez facilement à différentes positions de main. Donc si vous voyez quelqu'un qui sait faire ça, pour être très honnête les amis, si vous avez le temps de fuir, fuyez tout de suite. Si vous n'avez pas le temps, préparez-vous au pire. De toute façon, vous serez coupé. Vous serez coupé ou piqué. Mais même si la personne est comme ceci, de toute façon, vous risquez également d'être coupé. Il ne faut pas se leurrer. Si on travaille avec des feutres, on ne le fait pas parce que l'encre est très toxique. Mais c'est vrai que ça serait très intéressant de le faire. Mais j'ai appris par une personne qui m'est chère que l'encre est très toxique pour la peau. Donc, on ne les utilisera pas. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les fois où on s'est fait couper. Parce que souvent, on est on a un côté imaginaire où on se dit « j'arrête tout ». Mais sachez juste une chose, viens Marion, s'il te plaît, quelques instants. Si Marion me fait une belle parade ici, personnellement, même si je vais recevoir un coup, peut-être qu'avec le coup, je vais baisser ma lame et puis je vais repartir comme ça et je vais couper. Donc de toute façon, vous serez coupé. Merci beaucoup, Marion. Donc voilà, donc il faut se faire une raison, on est face à un couteau, il semblerait l'arme la plus dangereuse qui existe parce qu'on peut facilement la cacher, on peut facilement donc la dissimuler, on ne voit pas forcément quand elle est sortie et alors il y a un effet physiologique, c'est que lorsqu'on est attaqué et que l'arme pénètre dans notre corps, on ne le sent pas forcément non plus, c'est qu'à posteriori qu'on commence à le sentir. Okay, donc si vous regardez des vidéos, vous voyez les mecs qui sont plantés 1, 2, 3, ils continuent de combattre et c'est à un moment donné, ils commencent à se sentir faibles et là, il y a une hémorragie, certainement interne au départ, qui devient peut-être externe par la suite. Bon, je ne suis pas expert, mais voilà, donc c'est souvent comme ça que ça se passe. Ok, allez, on commence donc le sujet de cours. Donc, viens s'il te plaît, donc c'est donc tout ce qui est menace. Alors, il y a une vraie différence de dynamisme, c'est-à-dire que si Marion m'attaque, attaque-moi comme tu veux, vas-y, je suis dans l'obligation de réagir. Si je ne réagis pas, boum, le couteau il pénètre dans mes poumons, mon cœur, ça peut être terminé, d'accord? Et quelle que soit l'attaque d'ailleurs, si c'est un piqué ici, boum, là je suis dans l'obligation de réagir. Si c'est de bas en haut par exemple, et si c'est je ne sais plus comment ça s'appelle, boum, comme ça, là. Je ne sais plus, bon bref, en croisé, le couteau croisé, c'est pareil, je suis dans l'obligation de réagir, donc vous convenez que là il y a une obligation quelque part de faire quelque chose. Ici, tu peux changer, je vais enlever mes bagues pour ne pas te faire mal. Ah, ok. Je vais enlever ça aussi parce que ça me dérange. Ok, donc là, la personne me menace. Vous avez donc le choix. Si elle veut votre portefeuille et que vous avez fait votre deuil de ce qui est à l'intérieur, etc. Bon, bref, on vous l'a offert, c'est un portefeuille en cuir, bon blanc, peu importe. Si vous n'êtes pas opposé à ça, si vous êtes en accord avec ça, vous pouvez donner votre portefeuille. Je donne mon portefeuille, peut-être que ça se termine là. Ok? Donc, rends-moi mon portefeuille. Merci. Vous agitez un beaucoup. Maintenant, si vous êtes seul, vous risquez, il n'y a personne d'autre qui risque quoi que ce soit. Mais à un moment donné, peut-être qu'il sera intéressant d'agir. Donc agir, ça veut dire que, en fait, alors là pour l'instant, on va travailler avec le couteau un peu plus éloigné. D'accord? Donc vous avez vu que là, j'ai un éloignement qui est suffisant pour faire intervenir ma main, par exemple. Donc on va commencer par celui-là, qui n'est pas le plus facile, mais il est simple à comprendre, mais pas facile à mettre en ordre. Ne serait-ce que par rapport au démarrage, je vais bien vous le montrer lorsque je serai face à la caméra. Pour l'instant, je vais vous le faire. Donc la personne me menace, j'enlève, je frappe, tu l'as mise? Oui. Heureusement, oui, parce que précédemment je lui ai demandé de ne pas la mettre. Bon, heureusement qu'elle l'a mise, parce que sinon là, j'aurais eu quelques ennuis quand même. Donc, il est bien entendu que le couteau ne me touche pas. S'il me touche, on passera sur une autre technique. Et ici en fait, je viens chasser la main, et quand je la chasse, je ne vais pas aller plus loin que le milieu de mon corps. Ok? Et la main, elle est plutôt ferme, et elle est complètement reliée à l'avant-bras. C'est-à-dire que je ne fais pas ce mouvement-là. Ça, ben, vous le gardez pour ce que vous voulez, votre cheval par exemple, bref, faites ce que vous voulez avec cette main-là, mais ce n'est pas du tout l'objectif de faire ce mouvement-là. Ça, c'est une main molle, et il y aura forcément une opposition de la personne, ne serait-ce que le mouvement lui-même, peut-être que la personne aura le temps de venir, et là, on n'est plus du tout dans la même dynamique.
Alors qu'ici, c'est vraiment main tendue, bras tendu. Je ne veux pas le faire trop souvent parce que c'est douloureux. Et l'objectif, c'est d'éloigner le couteau, dans un premier temps, de mon axe, de façon à ce que je puisse passer un coup de pied. Okay ? Je passe un coup de pied. Comme vous pouvez le remarquer, ce coup de pied, je le fais réellement, c'est-à-dire que je donne une vraie impulsion, c'est-à-dire que je fais un levier arrière de façon à donner un vrai coup de pied génital. Conséquence de quoi ? Normalement, la personne se replie sur elle-même. Okay ? On en a déjà parlé. Tout ce qui est bas de corps, la personne va se replier parce qu'il y a une souffrance vers le bas, donc on se replie. Tout ce qui est haut de corps, la personne va compenser en allant vers l'arrière. Okay ? Donc ici, je frappe. Et là, si je peux, je veux venir en contact. Donc là, je fais un petit zoom. Vous avez vu, je suis venu en contact. Je ne suis pas venu en contact au niveau de l'épaule. C'est-à-dire que je n'ai pas fait ça. C'est souvent ce que vous faites hein, quand il y a un couteau. Je ne suis pas allé chercher directement la main. Non, j'ai fait un 90, coude contre coude. Et là, en fait, mon objectif, c'est de bouger son coude dans la direction du centre de son corps, de façon à ici éloigner le couteau. Là, maintenant, pour que la personne puisse me toucher, ça va être compliqué. Vous voyez, en plus, je vais faire une fermeture sur sa main et je vais pouvoir frapper. Le piston qu'on a brièvement vu la semaine dernière, vous voyez, il est ici. Là, il est vraiment très court. Et comme vous pouvez le remarquer, en fait, je le donne sans décoller mon coude. Donc ici, je le donne. Vous voyez que je ne fais pas ce mouvement-là. Donc, on y reviendra. Hein. Et surtout, pardon, ça arrive très souvent. Hein. Quand on n'arrive pas à se parler, on se frappe en général, c'est faux. Donc là, je frappe, et quand je frappe, je reviens à peu près dans ma sphère pour de nouveau pouvoir frapper. Ok, je vous le refais dans l'intégralité de l'autre côté. Merci ma puce, ça va ? Je t'ai fait mal ? Donc là, ici, tac, tac, boum, encore. Ici, 1, 2 et 3. Donc vous voyez, merci beaucoup ma puce. Donc vous voyez que, en fait, il y a trois temps dans ce mouvement-là. Le premier où je viens chasser, donc quand on vient chasser, je relie bien cette main à mon avant-bras. À aucun moment, j'ai un poignet complètement mou. D'accord ? Donc, ça doit être quelque chose de très puissant. Mais pour autant, je ne vais pas y mettre le poids de mon corps. Je ne peux pas faire ça et en même temps, ça va être compliqué. Puisque mon deuxième objectif, qui est presque un objectif immédiat, au moment où je touche la main, c'est de frapper avec ma jambe. Ok ? Donc, je rappelle, ce coup de pied, c'est un coup de pied donc direct génital. D'accord ? Que je vais donner avec le bol du pied et uniquement le bol du pied, hein, jamais les doigts de pied tendus parce que là je risque de me les casser. Et dans un deuxième temps, si je peux, c'est-à-dire que si la personne ne s'est pas écroulée, c'est effectivement frapper là, ici la main. Je vais vous montrer à quel niveau on doit frapper la main. Je vous ferai un petit zoom là-dessus. Ensuite, immédiatement frapper dans le génital. Vous voyez, mes mains ont commencé à monter. Et là, tout de suite après, je vais venir légèrement de 3 quarts, et pour pouvoir frapper. Non, je regardais parce qu'il y a des gens qui envoient des pubs qui n'ont rien à voir avec le Krav Maga. Mmh, bref, mais c'est pas grave. Bonjour Hervé, bonjour Jonathan. Voilà. Ok, Cédric. Alors, je ne la connais pas, cette vidéo de Farmaggio. Mais bon, pour être très honnête, c'est un monsieur qui est sûrement très bien, que je connais très peu, que j'ai vu deux fois dans ma vie et qui ne m'a pas fait une très forte impression. Mais bon, après tout, les impressions, c'est très personnel. Et quand on voit la technicité du monsieur que tu cites, franchement, je préfère qu'on parle d'autres personnes. Bref. Mais ok. Donc là, si je suis agressé, la technique qui est prise en compte par la FEKM, donc a été inventée par Rémy et ensuite transmise par Richard Williams. Donc c'est ce mouvement-là, très très bref, pour ensuite frapper. Si déjà vous arrivez à faire ça et que la personne va vers le bas ou lâche le couteau et que vous vous sauvez dans l'autre sens, franchement, génial, conservons que ça. La suite, comme vous le savez, je ne vous mens jamais. Pardon, j'ai un truc dans la bouche, parce que j'ai un appareil dentaire, donc même si je me brosse les dents, j'ai des trucs qui viennent dedans. Oui, c'est un peu crabe. La suite, elle est tellement emplie d'aléas que ça ne vaut même pas la peine. On va la travailler, bien sûr. Hein. Donc ici, frappe, frappe, et ici, frappe. OK ? Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important dans beaucoup de nos techniques, c'est les premiers temps. OK ? Donc, reviens Marion, s'il te plaît. Il y a un léger décalage. OK. Alors, hop, on va se tourner comme ça et on va...
on va se rapprocher un peu. Donc quand la personne, vous voyez, donc il y a deux options. Donc ici, la personne est plutôt tournée comme ceci, d'accord. Donc le couteau tourné légèrement vers moi, voilà, comme ça. Donc là, je peux passer la main dans ce sens-là. Et la surface d'interception, c'est son dos de main. OK? Si maintenant la personne, elle est comme ceci, c'est-à-dire le couteau tourné vers moi, eh bien en fait, là, il y a une logique. Je passe devant le couteau, donc c'est très gênant. Alors donc, ce que l'on va faire, si le couteau est dans ce sens-là, je vais plutôt passer par l'autre côté. Ensuite, je vais frapper. OK? C'est ma puce. Alors, on va travailler un tout petit peu ensemble. Donc ici, la personne, c'est un droitier, donc elle est face à vous comme ceci. Donc, vu que c'est un droitier, ou c'est un gaucher, enfin c'est la main gauche qui... Oui, c'est la main gauche plutôt. Donc la main gauche, elle est où sa main gauche? C'est la personne qui est face à moi là, parce que du coup, je suis un peu perdu là. Excusez-moi. Hein. Elle est là. Okay, non, elle est là. Elle est là, donc c'est comme ma main gauche à moi, oui. Là, parce que ça, c'est ma main gauche assise. Bon, attends. Bref. Ça, c'est ma main gauche. Tu vas y arriver. La main de ta montre, c'est la main gauche. Bon, j'ai un assistant qui est au top niveau. Qui est au top niveau. Ouais. Merci, Marion. Non, mais c'est important. Donc, maintenant, je saurai que c'est comme le téléphone, main gauche, main droite. C'est comme ce que je fais. OK. Donc, la personne a vu menace. Main gauche. OK. Donc, vous, c'est avec la main droite que vous faites la parade et vous allez frapper avec votre jambe droite. En fait, on va tout relier. Main droite, jambe droite. Donc, avec moi ici, 1. Ça, c'est le premier temps. 1. Donc, vous voyez, je suis un tout petit peu dans l'accompagnement. En fait, je ne vais pas faire ce levier-là. Je l'ai un peu fait au début. Hein. C'est pour ça que je me corrige en même temps que vous. Je vais surtout gainer l'intégralité de mon corps. Donc, ici, j'ai gainé. Gainé, mais tout de suite après, je relâche pour pouvoir frapper. Donc, ça donne 1, 2. Et tout de suite après, si je peux, je viens frapper en mettant une vraie opposition. OK. On le refait, s'il vous plaît. Donc ici, 1, 2 et 3, si possible. OK, je vous le refais maintenant de profil. Donc ici, 1, encore. J'ai mis ma hanche. Faut que je fasse attention. 1, 2, encore. De l'autre côté, donc ici, 1, 2, 3, 4, par exemple. Après, s'il a lâché le couteau ou autre. OK. Je vais revenir sur le Y du couteau parce que du coup on va le revoir beaucoup vu qu'on fait que du couteau. Viens Marion s'il te plaît. On est en direct hein. OK. Donc une fois que j'ai évacué boum boum, si j'ai la chance que la personne aille vraiment vers le bas, en fait je vais me servir du levier du coup de pied pour pouvoir reposer. Donc je vous rappelle, quand je pose le pied, je le pose pointe talon pour pouvoir exercer, pardon, une véritable pression, une pression dynamique sur la personne, alors que si je fais talon pointe, en fait, je vais faire une bascule, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et Marion peut vous le dire, c'est vraiment différent, n'est-ce pas, Marion? Je te parle aujourd'hui. Oui. Oui, oh, là, pareil, yes, super. OK, on recommence. Donc ici, pam, pam, boum. Et là, en fait, je suis bien organisé. OK. Là, je voulais en venir, on va se tourner comme ça. Tac, non, de l'autre côté. Voilà. Là où je voulais en venir, c'est que, au lieu d'être comme ça, et de vouloir frapper ici, et de s'exciter un petit peu avec le bas, au lieu d'être juste ici, ça, ici, il n'y a rien en fait. La personne peut partir comme elle veut vers le bas, ici, et me redonner des coups de couteau. En fait, on va couper la route du coude, là. D'accord? Donc, je coupe la route du coude. Je suis à 50-50. Mais j'ai reporté une partie de mon poids de corps, comment? Grâce au fait d'avoir sorti mon épaule. Vous voyez, là, elle n'est pas sortie. Là, elle n'est pas sortie, en fait, je suis complètement en décalage. Là, elle est complètement sortie, mais ça ne m'empêche pas d'être stable, d'être vraiment sur mes appuis. Et ensuite, elle vient un peu par là, on va le faire en déplacement. Et ensuite, là, boum, boum, boum. Vous voyez, je fais ce mouvement-là, mais sans me reculer un peu, sans bouger mon pied. Parce que si je bouge mon pied, il y a l'intégralité de mon coude qui va se décoller. Donc, je voulais faire un petit zoom là-dessus. Parce que toutes les techniques que nous allons voir au couteau, elles vont être basées sur ça derrière. OK? Est-ce que vous avez des questions? Dit comme ça, ça donne envie de poser des questions. OK. Alors, le numéro 2, cette fois, la personne, là, elle est en contact avec votre corps. Donc, je ne peux plus faire ce mouvement-là parce que d'abord, c'est trop court pour moi, j'ai très peu d'amplitude. Et surtout, ma problématique, c'est que comme je ne fais pas un retrait de corps,
là, peut-être que le réflexe de la personne, c'est justement de m'enfoncer le couteau. Donc là, hop, non, non, elle évacue pas, enfonce. Ah, là, c'est plus possible. Okay, donc, et encore, et en plus, c'est moi qui vais me faire encore plus mal, puisque le fait de vouloir évacuer, ça va rentrer et je vais me faire seppuku comme les Japonais. Donc ça serait un peu dommage. Harakiri. Et ça, on dit harakiri. Magnifique. Quelle culture japonaise. Ok, donc ici, la différence, c'est que je vais reculer la jambe. Là, on va le faire de l'autre côté aussi. Tac, pour que vous puissiez voir. Donc ici, on va reculer la jambe. Ici, on recule la jambe. Et ça devrait vous rappeler un peu quelque chose. Donc au pistolet, on fait un peu le même principe. Ok, donc au pistolet, si c'est un pistolet, boum, on fait ce mouvement-là. Ben là, c'est pareil. Hop. Et ici, ce qui est intéressant, je vous le montre, c'est d'avoir toujours le talon décollé, les amis, de façon à vous permettre de derrière d'avoir un ressort. On recommence, s'il te plaît. Donc ici, 1, 2, et je repasse cette jambe-là devant. Je vais le faire moins vite. Ici, 1, 2. Et vous voyez, en fait, là, je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que son coude, au lieu qu'il soit sur son côté latéral, moi, j'ai envie plutôt qu'il soit du côté intérieur, vers son intérieur, de façon à créer un décalage ici. Et comme vous l'avez compris, parce que depuis le départ du mois du confinement, on vous en parle, le coude, il y a un enjeu majeur avec le coude. Si je prends la personne par le coude, je fais absolument ce que je veux de cette personne. Si maintenant je la prends au niveau du poignet, là, c'est plus la même chose. Voilà, la personne peut sortir. Elle a aussi toute sa musculature de l'avant-bras. Et là, si je prends le coude ici ou si je fais un levier sur le coude, il y a tout son système d'équilibre qui est remis en question. Donc c'est vraiment super intéressant et gardez-le bien en tête parce qu'en fait vous pouvez l'utiliser à toutes les sauces ce coude, vraiment toutes les sauces, ok? Tac, on reprend. Donc cette fois plus doucement, je peux lever les mains. Automatiquement c'est un réflexe qu'on va avoir, c'est vrai que nous dans le travail on va garder les mains en bas, c'est la pire des situations. Ici je peux lever les mains, hop, ici hop, ici vous voyez hop, j'ai extrait mon corps, bon, je l'ai extrait vers l'arrière en bougeant cette jambe-là. Je rétablis mon système d'équilibre, je protège ma main. Déjà, j'ai un point d'appui en direction de l'intérieur de la personne. Et immédiatement après, je me sers de cette jambe pour créer un ressort afin de pratiquement prendre sa place. En fait, je l'oblige à bouger vers l'arrière. Je ne lui donne pas le choix. C'est comme si je prenais sa place. Donc ça, concrètement, ça fait le boulot puisque la personne qui vous agresse n'est pas forcément en déplacement. Alors que vous, oui, si je suis ici... 1, 2, j'ai quand même un déplacement conséquent qui va donc me permettre de déstabiliser physiquement la personne et aussi psychologiquement. Dites-vous bien qu'une personne qui possède donc une arme, donc un couteau en l'espèce, elle se sent bien évidemment beaucoup plus forte que vous. Elle sait qu'il y a une létalité, d'accord? Si elle est sûre d'elle, que vous allez lui donner quoi que ce soit, votre vie ou autre, et que vous réagissez, rappelez-vous ce qu'on a fait la semaine dernière comme petit travail avec la feuille de papier au sol. Donc c'était vendredi dernier ou jeudi dernier, où je vous ai démontré qu'il y avait un temps de réaction pour tout le monde, tout le monde a un temps de réaction, même celui qui conduit des Formule 1. Et c'est vrai qu'il a réduit énormément ce temps de réaction, mais il a quand même un temps de réaction. Et ce temps de réaction va peut-être vous permettre de faire le job. Donc ici, la personne est contre votre ventre, hop, il va lui falloir... le temps de réaction, là, ici, boum, et derrière, vous frappez. Et ensuite, il va devoir gérer. Donc, un élément super important, c'est le fait d'être frappé dans une sphère haute. Donc là, boum, il va aller vers l'arrière. Donc, qui dit aller vers l'arrière, ça veut dire que vous aussi, vous allez gagner du temps. OK? Donc, j'essaye, dans ce que je vous propose, j'essaye de disséquer un petit peu, pas forcément toutes les techniques, mais le pourquoi du comment, la biomécanique, comment ça se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Pour quelle raison on fait cette gestuelle et pour quelle raison on ne fait pas cette gestuelle? D'accord? J'essaie vraiment de vous apporter... merci pour ce commentaire. C'est vrai que c'est toujours agréable de recevoir des commentaires aussi parce que c'est vraiment le vœu de cette chaîne. C'est de vous apporter des petits trucs, des petits plus. Et fort de notre expérience de prof, de juge, l'expérience de la vie, etc., c'est vrai qu'on a tous des petits trucs à partager, donc n'hésitez pas vous-même à partager vos petits trucs, parce qu'il y a des choses que j'ai appris grâce à mes élèves aussi, d'accord? En leur expliquant ou au cours particulier. Ok, on va le faire ensemble.
Merci Marion. Marion déjà prête dans les starting blocks à se lever. Hein. Ok. Donc là, vous allez agir avec votre bras droit et sur une personne qui vous menace. Donc ici, l'objectif, c'est d'extraire votre corps, d'accord? Donc ici, hop, vous voyez, hop. Donc là, si je fais la finalisation, en fait, j'ai à peu près tout cet espace-temps que j'ai réussi à recréer de par le déplacement que j'ai fait de ma jambe arrière. Si maintenant je vous le fais ici, là, ici, là, et ici, là. Alors, avec moi, vous entendrez toujours ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'en ai fait un moyen mnémotechnique pour me souvenir que cette main, elle est mieux ici que là. D'accord? Donc ça, ça n'a aucun intérêt. D'accord? Sauf si vous voulez démarrer une course à pied, très rapide. Alors qu'ici, là, il y a un véritable intérêt parce que derrière, je sais que ma main est déjà prête à faire la technique. Ok? Cool. Salut Dominique. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, ainsi que ton épouse. C'est cool que tu nous regardes. Allez Marion, viens s'il te plaît. Alors, tout de suite la suite. Ensuite, il y a plusieurs techniques. Donc, il y a celle où le couteau est carrément sur votre gorge. Alors là, ça commence à devenir très compliqué. Ou là, alors ça commence à devenir compliqué psychologiquement, parce que c'est vrai qu'on se dit, si on tranche la gorge ici, effectivement, ça peut être fatal, mais ça ne l'est pas toujours. Ça dépend vraiment de la façon dont on tranche. Bon, enfin, c'est toujours pareil. Hein. Mais peut-être que la personne n'est là que pour vous menacer. Mais c'est déjà une menace qui, pour moi, est plus importante psychologiquement que celle-là. Ok, j'aurais moins peur ici que là. Je sais pas, bon, c'est comme ça. J'ai pas envie qu'on touche à mon cerveau non plus. Ok, donc là, la même chose. Donc, tout à l'heure, c'était le but qu'il fallait, fallait faire un retrait du buste assez conséquent. Là, en fait, c'est un retrait de votre cou. Donc ici, boum, boum, encore, ici. Ok? Et là, vous l'avez vu, en fait, là, c'est un peu plus prononcé. Du coup, mon avancée, quand je vais vite, vous avez remarqué que je crée un déséquilibre. C'est vrai que cette jambe-là, elle arrive au moment, ici, au moment où je vais frapper. Et en fait, ça s'est voulu. Je vous ai raconté la semaine dernière une petite histoire sur le Wing Chun. Donc, il y a une époque, je donnais des cours particuliers au but de Chaumont. Et je voyais toujours un vieux monsieur qui faisait du Wing Chun. Et à chaque fois, il me demandait, ou me demandait aux autres, est-ce que tu veux bien pratiquer avec moi? Et donc, de temps en temps, j'ai pratiqué avec lui quand j'avais un peu de temps. Mais je trouve maintenant que j'ai pas suffisamment pris le temps de travailler avec lui. C'est bien dommage parce qu'il avait des connaissances qui me dépassaient à l'époque. Et sûrement qu'il me dépasse encore. Mais en tout cas, ce que j'ai retenu de lui, c'est que lorsqu'on donne un coup, il faut le relier à la terre. Donc je suis ici, boum. D'accord? Donc je suis ici, là, je refais la technique. 1, 2. Et tenter, au moment où ça se repose, de mettre le coup de poing. Ok? Donc, si vous arrivez à faire ça, vous allez être tellement puissant que peut-être qu'un coup suffira. Donc, c'est un petit plus à rajouter, ça n'enlève rien à la qualité du Krav Maga, à sa réactivité, son efficacité. Ça n'enlève absolument rien, au contraire, ça rajoute quelques petits éléments qui permettent de encore plus s'améliorer, donc d'être encore plus dans l'efficacité. Donc, tout le monde ne le fait pas, mais essayez-le et vous allez voir que ne serait-ce que de frapper dans un sac, ici, en venant replanter, donc je suis ici, en venant replanter son pied dans le sol, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Ok, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Donc, le couteau, tu peux revenir Marion, s'il te plaît. Parce que Marion, elle est sur Facebook. Ok. Donc, vous avez vu que le couteau, il n'est pas dans ce sens-là. Il n'est pas dans ce sens-là, d'accord? Il est comme ceci. J'ai une contrainte qui peut être forte ou pas. Ça peut être collé ou pas collé. Franchement, si c'est pas collé, ne venez pas vous coller. Hein. Je l'ai déjà expliqué avec le pistolet. Si vous avez la chance de ne pas avoir un pistolet ou un couteau qui est planté carrément sur votre gorge, n'allez pas vers le couteau, arguant du fait que c'est plus facile. Ben non, ce n'est pas plus facile. Vous vous rajoutez une contrainte supplémentaire. Donc là, il est collé. Elle a décidé de le coller. Donc il va falloir que je fasse un gros retrait vers l'arrière. Et ça fait toujours rire ma femme parce que chaque fois, je fais ça. Comme ça, bon, c'est normal, c'est parce que je vais très vite, c'est pour ça. je suis d'humeur humour ce soir. Ok, donc là, je fais un retrait, hop, et je viens chercher, toujours à saisir. Donc là, immédiatement,
je repasse cette jambe et là je me mets en déséquilibre. Vous voyez que je commence en fait à venir au niveau, au barrage au niveau du coude. Donc là j'oriente et quand j'oriente en fait c'est mon coude qui vient chercher et mon épaule qui elle est sortie presque de son logement. Et là, boum, je passe et je frappe. Ensuite derrière je frappe, je frappe. Les sorties ne m'intéressent pas trop pour l'instant. Merci ma belle. Ok, alors on va le faire un petit peu ensemble. Putain, mais le temps passe trop vite. Hein. Ok, on va le faire ensemble. Donc ici, pareil, donc la personne vient là et vous allez intervenir avec votre bras droit. Donc ici, tête, bras. Tête, bras. Donc c'est vraiment un mouvement avec une très grande puissance. Bon, ça demande aussi d'avoir une ceinture abdominale, d'être bien gainé en fait de partout. Attends, il y a des trucs là. Non, c'est... Je m'instruis, on ne perd jamais son temps avec Alexandre. Merci beaucoup. Salut Alain, j'espère que tu vas bien. Merci, ça va bien, j'espère que toi aussi tu vas bien. N'hésitez pas à faire plein de petits messages sympathiques, on adore ça, on adore échanger avec vous. Vous savez qu'en fait, c'est très très compliqué ce qu'on fait parce que du coup, on ne vous a pas en face de nous, donc il n'y a pas l'interaction, il n'y a pas la chimie du fait d'être en face à face physiquement. Donc là, je suis face à un écran. Bon, heureusement, je suis souvent accompagné, mais quand on est vraiment tout seul, c'est vraiment compliqué. Mais bon, c'est pas grave, c'est intéressant de le faire aussi. Donc quand on est capable de faire ça, on est capable de faire beaucoup de choses. Hein? Ah oui, oui, je vais le faire, parce que j'ai un grand mur. Je vais le faire juste après. Ok. Mais d'abord, on va le retravailler un peu ensemble en prenant en compte ce mouvement-là. Donc ici, 1, donc ici, 1, donc ici, 1, 2. Ok, donc je voulais faire un petit peu vite pour que vous puissiez voir effectivement comment ça peut se passer si on le fait vraiment vite. Bien sûr, c'est des choix personnels. Si vous décidez de réagir, c'est un choix. C'est mû par toute votre réflexion, l'interaction que vous avez avec la personne. On ne vous dit pas qu'il faut réagir à chaque fois. Moi, personnellement, j'ai fait la paix avec ça, c'est si on me menace, alors cette menace-là, elle va être compliquée pour moi. Hein. Je pense que je vais me sentir obligé de réagir parce que je me dis que la suite, c'est me trancher la gorge. Mais si je suis menacé et qu'on en veut à mon portefeuille, mon argent, mon téléphone, je m'en fiche, c'est que du matos, ça, je peux le remplacer, ce qui n'est pas le cas de la vie, on est d'accord? Bon, je donne. Maintenant, ça, c'est si je suis tout seul, mais si je suis accompagné avec Marion ou l'un de nos enfants, là, c'est plus du tout la même chose pour moi psychologiquement. Je vais devoir me battre bec et ongle parce que si je donne mon portefeuille et mon téléphone, est-ce qu'il ne voudra pas faire quelque chose avec les gens de ma famille? Donc ça, je ferme cette parenthèse, mais c'est important que vous-même, vous mettiez d'accord avec ça. Dernière petite chose, j'ai une théorie donc, que j'ai appris hein, il y a très longtemps, c'est la théorie de l'œuf. Vous avez donc un blanc d'œuf, ça c'est ce que vous êtes prêt à donner. Okay? Quel que soit l'accord que vous avez, c'est peu importe. Et le jaune d'œuf, c'est ce que vous ne donnerez jamais. Voilà, donc réfléchissez à ça. À partir du moment où vous êtes en interaction non voulue avec une personne et qu'elle souhaite quelque chose de votre jaune d'œuf, il va falloir vous battre. Voilà, c'est comme ça. Il faut être en accord avec ça. Putain, le discours magnifique. Merci Marion. On peut m'applaudir, c'est parti. Ok, donc contre le mur. Ok, donc ici, alors, elle peut me tenir ou non. Alors, on va se décaler un tout petit peu. Alors, effectivement, je ne peux plus aller vers l'arrière avec ma tête, hein, logique. Hein. Donc là, je vais devoir, alors, soit je prends les deux bras, soit je prends un bras. Ok, donc je vais croiser mes bras et je vais venir. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas trop, pardon, hein, parce qu'en fait, il nous faudrait une troisième personne qui vienne nous filmer, qui tourne autour de nous, un peu comme mon ami Yann, que vous saurez reconnaître. Il y a du personnel un petit peu qui permet d'avoir des trucs super sympas. Mais on fait avec nos moyens du bord. Donc ici, je viens chercher là. Et là, en fait, je viens baisser, frapper. Alors ensuite, je l'amène. Et là, hop. Voilà. Bon, je ne vais pas rester trop longtemps, Cédric, dessus. Parce que, en fait, c'est, contre le mur, ça fait l'objet de... On peut tenir une heure hein, juste sur cette technique. Ah, pourquoi on ferait ci, pourquoi on ferait ça. Mais en tout cas, dans le principe de base, hein, c'est bien, je viens chercher avec mes deux bras, je ramène à moi, je frappe, et ensuite, je vais m'extraire avec des petits pas sur le côté, je vais descendre progressivement et je vais faire une clé et un épluchage comme on a l'habitude de faire. Donc j'espère que je réponds à ta question, même si je sais que je suis très rapide, j'en suis conscient. Ok, on continue, tac, 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 et cette fois, la personne me menace comme ceci. Donc deux techniques peuvent se faire jour pour ça.
qui sont toutes les deux intéressantes, donc celle que tout le monde connaît. Donc on est ici où je vais venir crocheter, frapper, d'accord. Elle est bien, hein, elle est bien, je la remets pas du tout en question, faites là, c'est techniquement parlant, elle est bonne. Hein. Enfin, je pense, après les cadres de la FEKM, s'ils regardent la vidéo, ils pourront m'expliquer ce que je peux améliorer, j'accepte aussi. Hein. Donc là, je frappe. Et derrière, ici, je vais venir chercher sa main pour pouvoir aller soit vers l'avant, soit vers l'arrière, au choix. Donc, je fais que soit à tes poignets. Donc, je recommence ici, boum. D'accord. Donc, c'est vraiment un mouvement très violent. Et tu as entendu que là, je ne porte pas le coup. Mais évidemment, si je porte le coup, la personne va aller vers l'arrière, va se projeter. Hop, pour moi, ça sera plus facile d'enlever le couteau qui est contre moi. OK. Parce que souvent, la critique qu'on peut faire à cette technique, c'est de se dire, oui, mais tu as le couteau qui est vachement proche, la personne peut encore te couper. Oui, c'est vrai. Mais sauf que si on prend en compte le fait que je donne un coup et que la personne va immédiatement vers l'arrière, bah, elle va vers l'arrière, son bras il va avec elle. Hein. Ok, c'est pas possible, elle ne peut pas se détacher son bras et essayer de me couper comme la main dans Family Adams. Ok, ouais. Bon. Ok, donc vous avez cette technique et on va faire l'autre côté avec cette main, regarde cette main. Voilà. Et on a aussi le fait de pouvoir aller par là. D'accord, donc ça c'est très intéressant. Bon. D'aller par ici, ensuite frappe, tac, je serai, etc. Donc, je vais vous la remontrer dans ce sens-là. Voilà, tac. Donc ici, je peux faire ce mouvement-là, d'accord, ou je peux faire ça. OK. On va le faire dans ce sens-là aussi, tac, ici, pour que vous puissiez voir. Donc là, je le fais doucement. Donc c'est toujours pareil, hein. Je vais faire le retrait de la main qui va être en contact avec la main de mon partenaire. Donc c'est ma main gauche, c'est sa main gauche, OK. Donc là, boum, comme vous avez pu le constater, ma main est déjà ici, donc je peux frapper. Et ici, boum, je frappe. Ensuite, derrière, ben, je vais faire comme la technique couteau-piqué. Je vais venir chercher un contact, le creux de son bras. Et là, au moment où j'ai son creux de bras, je frappe, je viens glisser, je frappe. On le refait tout doucement. Donc ici, boum, boum. D'accord, vous voyez que là, on est vraiment en prise directe. Le temps que la personne réagisse, elle a déjà pris le coup. Ensuite, je viens croiser la route. Boum, j'avance un peu. J'en profite pour faire la glissade. Et surtout, j'en profite pour passer son bras derrière son épaule. Résultat de quoi? La personne n'a plus aucune motricité. Okay, donc là, elle peut toujours s'exciter. C'est un tout petit muscle ici, VS l'intégralité de mon poids de corps. Ici, ça ne va pas le faire. Ensuite, derrière, je donne un vrai coup de genou. Vous voyez comme mon corps est bien penché. Ici, je fais un barrage et derrière, j'ai deux solutions, comme on l'a vu il y a quelques temps. Soit je pousse, je ramène à moi, soit je recule. Et vous avez vu qu'en fait, alors oui, il y a un petit truc intéressant. Pour toutes les techniques couteau, vous repassez ou vous faites repasser le bras. C'est que, pardon, hein, si ça a l'air d'être décousu, mais en fait, j'ai ma logique, hein, désolé. Hein. Donc ici, je vais vers l'arrière. Et là, en fait, qu'est-ce que je fais? Je fais tourner son poignet. Juste pour que son épaule soit de ce côté-là. Ok, si vous arrêtez ici, pareil, la personne retrouve une certaine mobilité articulaire. Donc, elle peut partir par ici. Voilà. Et on repart sur un truc complètement inconnu pour moi. Alors que si je suis là, ici, là, ça devient beaucoup plus compliqué puisque, en gros, elle a un mal-être qui se passe ici, ici et là. Ok, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en tout cas, elle le sent. une fois que je suis là, donc je vais forcer moins que ça. Une fois que je suis là, je viens. Donc là, vous avez vu. Attends. Hop, 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 hop. Voilà. Donc ici, j'ai donné le coup de genou. Je veux que vous compreniez un truc. Donc je suis ici. Là, je l'ai amené à moi. Le temps qu'elle se rétablisse, donc ici, je suis déjà reparti vers mon avant de façon à profiter de son avancée pour elle-même compenser dès le départ. Vous voyez ici, en fait, quand je vais vers l'arrière, elle compense. Là, hop, elle va recompenser. Elle recompense. Et une fois qu'elle a recompensé vers le bas, elle va, je vais repartir vers mon côté opposé. D'accord? Ça va? Ok. Donc, sur toutes les techniques couteau, enfin, toutes les techniques en général, mais là, comme on parle du couteau, on va parler du couteau, il y a des fondements. C'est toujours tenter de mettre la personne en déséquilibre, d'accord? De façon à ce que vous ayez toujours un petit temps de gagner. Je ne sais pas si je suis clair. Enfin, je pense que si. Mais du coup, voilà, quand la personne, je la ramène à moi, donc là, vous voyez, c'est je la ramène, mais avec mon poids de corps. Hein, c'est, je suis ici, regardez là, boum, je la ramène à moi, avec mon poids de corps, avec mes coudes qui sont bien proches de mes flancs.
puisque plus c'est éloigné, moins j'active la personne en face. Donc là, je ramène bien. Ensuite, je reviens. Donc la personne, elle est obligée de compenser de nouveau vers l'arrière. Elle s'était précipitée vers l'avant. Elle revient vers l'arrière. Et au moment où elle commence à se rétablir, eh ben, je la refais partir vers l'avant en épluchant. Okay, on fera un petit point sur l'épluchage. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. Come on! Waouh, 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 il nous reste 15 minutes. C'est bon, on est bien. Ok, donc là, cette fois, la personne me pique à la gorge. D'accord? En fait, je voudrais, les 10 dernières minutes, je voudrais faire un peu de mouvement avec le couteau, c'est intéressant. Donc, pique à la gorge ici. Donc là, l'enjeu, c'est de sortir de l'axe. Mais comme vous pouvez le voir, quand je fais ça, je ne peux plus la regarder. Donc, j'ai ce qu'on appelle la vision périphérique. Donc, c'est un passage, hein, évidemment. Donc ici, 1, 2, encore, ici, 1, 2. Donc, c'est toujours pareil. Si je fais l'extraction assez violente de ma tête, forcément, de ce côté-là, je vais devoir compenser de façon à ce que mon centre de gravité, certes, il va se déplacer, mais il va se déplacer de façon intelligente puisqu'il aura un support. C'est un peu comme si vous construisiez une maison, bah avec tout ce qu'il faut, les fondations, on aura creusé les fondations et puis on monte les murs. Si je fais juste ça, bah en fait, il va manquer les fondations. Du coup, pour revenir, ça va me demander, ça va supposer un effort monstrueux et surtout, vous lui faites gagner du temps. Alors qu'ici, boum, c'est vous qui en gagnez puisque la même chose. D'ailleurs, je ne vais plus l'expliquer, mais la même chose, j'ai un mouvement ressort tellement important que là, je vais lui opposer, donc tac, tac, boum, ouais, je vais lui opposer une puissance physique que la personne n'a pas le temps de paramétrer. Ok, celle-là, on ne va pas trop la voir, je voulais juste vous la montrer, vous la regarderez en replay, mais elle n'est pas compliquée, je vais juste vous la faire avec vous deux, trois fois dans le vide. Donc, hop, vous êtes piqué ici, et puis vous avez une contrainte, donc vous-même, il y a une petite perle de sang qui coule. Donc ici, on fait partir le cou et la tête vers l'arrière, vous voyez, donc c'est vraiment, on a, même au niveau cervical, c'est un petit peu douloureux, donc il faut faire attention. Boum, et tout de suite après, je reviens. Donc ici, si je vous le fais là, donc boum, et tout de suite après, je reviens. Donc vous avez vu que, en fait, la jambe, elle arrive dans un second temps, c'est d'abord ce mouvement-là qui est important. Ne faites pas partir d'abord la jambe parce que du coup, ça donne un indicateur à la personne qui est face à vous. Autrement dit, vous n'êtes plus dans l'élément de surprise, vous êtes dans un truc plus codifié. Alors que ce qu'on veut, nous, dans ces cas-là, comme d'ailleurs tous les exercices de self-défense, étranglement et autres, c'est avoir cet élément de surprise pour vous permettre de gagner du temps pour une suite potentielle. Ok ? Donc, je ferme cette parenthèse. Allez bien. Alors, on va commencer par celui où la personne me fait reculer, d'accord? Alors, ça, c'est logique. En revanche, que la personne vous demande d'avancer, c'est vraiment pas logique parce qu'elle a un couteau, elle voit pas derrière elle. Donc, ne faites pas ça dans les cours, c'est pas du tout logique. Hein. En revanche, donc, on va le travailler comme ça, voilà. L'autre bras pour qu'on puisse voir, super. Donc, elle me demande de reculer, bam, 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 hop, boum. À un moment donné, encore. Alors vas-y, tac, 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 tac. Alors viens, mets-le bien contre moi. Parce que, du coup, ouais, voilà, ici, tac, 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 tac. Ouh. Ok. Donc ici, c'est ni plus ni moins que la technique que nous avons vue précédemment. Ouais, pardon. Sauf que, tac, tac, tac. Quand je recule, 1, 2, 3, boum. Par exemple, quatrième temps. Ou 1, 2, deuxième temps. Ou 1, 2. Et 3 si c'est de l'autre côté, bref. Alors je vous conseille de toujours faire la même chose, de toujours relier la main, même jambe. Ok ? Ça, on est sûr et certain de ne pas se tromper. Donc ici, on vous fait reculer, pam, pam, hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Peu importe, ça dépend avec quelle jambe vous allez commencer. Mais en général, c'est rare qu'il vous fasse reculer vite. Donc ça va être doucement, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et là, à ce moment-là, vous y allez. Et vous voyez qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand vous reculez, ça vous donne une impulsion supplémentaire puisque vous êtes ici, et là, vous revenez. Ça vous donne vraiment une impulsion supplémentaire. Donc, c'est vraiment super intéressant à travailler. Et comme vous pouvez constater, hein, ce n'est pas parce qu'on est seul qu'on ne peut pas le travailler. Vous voyez, là je vous le démontre. On n'a pas besoin d'être avec partenaire. C'est beaucoup mieux, bien sûr, pour les distances, etc. Et
la qualité du geste technique et également là où on va mettre son coup. Parce que souvent aussi, viens s'il te plaît un plus, souvent vous êtes là, ou là. Si vous êtes en haut, vous êtes ici, ou là. Et ce qui serait intéressant maintenant, vous voyez, c'est... Alors de temps en temps, on a quelques loupés, hein, ça arrive encore à tout le monde, mais c'est la 15e année de pratique, ça ne m'empêche pas de me tromper parfois. Ça va, ça tombe bien, c'est toujours avec Marion. Rarement avec les élèves, donc c'est parfait. Et quelque part, ça rend un peu plus rustique notre discipline aussi, de se recevoir des coups, donc c'est bien. Donc oui, évitez d'être à côté, d'être là, d'être ici. Vous voyez, si vous êtes sur le côté, il y en a plein qui font ça. Ça, concrètement, ça ne sert strictement à rien. Merci ma puce. Et je vous rappelle qu'il y a un effet conditionnement qui est super important, qu'il ne faut pas négliger. Plus vous aurez travaillé comme ça, et malheureusement, c'est ce que vous allez retranscrire dans la rue. Vous savez qu'il va nous rester entre 7 et même pas 10% de ce qu'on a appris. Alors donc, ce qui est bien, c'est que le Krav Maga, ce sont des gestes automatisés que l'on ferait de toute façon dans une certaine réalité. On se protège la tête, on mettrait le bras vers l'avant. Bon bref, je ne reviens pas là-dessus. Mais si on s'est entraîné 100% de son temps à être juste à côté, normalement, si les choses sont bien faites, vous allez taper à côté. C'est quand même un peu con. Voilà, donc je ferme cette parenthèse. Ok, come on, girl. Ok, maintenant la personne, elle est un peu plus éloignée, elle vous demande de bouger, tac, tac, tac. Ben, ça ne vous empêche pas de le faire non plus, vous voyez. Donc c'est pas parce qu'il y a un mouvement que ça donne une complexité supplémentaire. Il y a néanmoins, tac, 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 lorsqu'on est par exemple devant le bras, ici, donc ici, elle me fait avancer, tac, hop, ici. Là, en fait, c'est pas compliqué non plus. Je ne vais pas forcément chercher à aller chercher le couteau, parce que normalement le couteau il va re-rentrer. J'aime pas trop ça parce qu'on est dans une société civile, on n'est pas à l'armée. Et le fait de chercher à replanter plusieurs fois, je suis pas certain, un, d'être capable de le réaliser, parce que je suis pas un tueur, et deux, si je le fais, je pense que je vais être très 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 embêté par la justice, hein, parce que là il n'y a aucune justification, hein. Vraiment aucune. Donc c'est bien de se conditionner à faire ça, mais si on est en guerre, c'est parfait, faites-le, parce que peut-être que c'est votre vie qui sera en jeu et c'est lui ou vous, ou elle ou vous, mais dans le civil, peut-être qu'il serait intéressant juste de venir en rupture ici pour essayer de repartir avec le couteau, ou, alors on va le refaire, parce que peut-être qu'il y a des alternatives. Donc je suis ici, tac, ici, frapper, d'accord, ensuite, monter par exemple, je le fais doucement, oui. Pardon. Monter doucement, et ça fait l'objet de la troisième dargue aussi, et pourquoi pas redescendre là, même si c'est un tout petit peu dangereux par rapport à la pointe du couteau. Mais bon, je rappelle quand même que c'est vraiment très 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 rare de se retrouver avec un couteau aussi grand. Ok, donc c'est souvent des plus petits couteaux. Ok, maintenant si c'est derrière le bras, puisqu'on poursuit donc pour la 2D, donc je suis ici, tac, tac, hop, pareil, boum, boum. Là, il y a une petite difficulté, parce que quand c'est un pistolet, je viens chercher le pistolet ici, je casse, je remonte, ok. Mais quand c'est un couteau, je ne peux pas venir chercher le couteau, bon, sauf si j'aime me faire découper, après, c'est votre choix, hein. Ok, donc je suis ici, je vais faire la même chose, je vais baisser le centre de gravité, et là, je vais chercher ma main, et je vais chercher à aller vers le bas. Alors, je ne sais pas comment vous faites, hein, je ne sais pas comment font vos profs, mais aller chercher ici, essayer de repasser, c'est super hasardeux. En revanche, chercher à créer un point d'appui sur votre main à vous, ensuite pivoter ici pour créer une tension et aller vers le bas, ça, je vous assure que, enfin, je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant que ça lorsqu'il y a un couteau, parce que sinon, vous allez vous faire découper dans tous les sens. Donc ici, je rappelle... Donc là, j'ai frappé, je baisse, je viens chercher ma main. Petit. Donc là, ce que je fais, c'est que j'avais les épaules complètement vers vous, donc deux profils par rapport à Marion. Je les remets de face, mais quand je les remets de face, là, je ne le fais pas parce que je suis gentil avec Marion. Mais quand je les remets de face, c'est vraiment puissant. C'est-à-dire que là, peut-être que le poignet, il pète. Je descends. Et alors, reste à genoux, et décale-toi un peu, ma chérie, s'il te plaît. Ouais, c'est pas très pratique. Et quand je descends, en fait, là, je vais commencer à passer ma main au niveau du poignet, et ensuite aller chercher l'épluchage pour pouvoir passer. Pareil, hein, ce genre de mouvement, merci ma puce, personnellement, je ne le ferai jamais dans le civil.
parce que il n'y a aucune justification non plus. C'est-à-dire que vous avez pris le couteau, vous avez été coupé, certes. Ça peut se défendre, le fait que vous ayez peut-être coupé dans votre défense, mais le fait de lui casser la tête avec un coup de pied, ça, je suis désolé, c'est bien dans les démonstrations à Bercy ou autres, ou dans les grosses démonstrations avec des grands maîtres. Mais pour nous, il vaut mieux se conditionner à faire autre chose. Ok, je ferme cette parenthèse, mais c'est important qu'on en parle, parce que là, il s'agit de légitime défense. Et comme vous le savez, le texte, il est vraiment très compliqué pour les victimes que nous pourrions être dans la rue. C'est à nous de prouver la quoi déjà je sais plus, enfin bon, ouais. C'est aux victimes, ouais, de mais ça je l'ai dit déjà, c'est pas grave, on s'en fout. Ok, viens s'il te plaît. Donc, le petit dernier que je voulais vous présenter, on va le faire comme ça. Donc là, c'est quelqu'un, donc même si on va le faire légèrement décalé, voilà, très bien. Donc là, c'est quelqu'un qui vous menace, elle vous demande d'avancer. J'avance, hop, boum, boum. Encore, j'avance. Donc là, en fait, il n'y a vraiment aucune difficulté. Là, la seule difficulté, c'est d'avoir bien compris que c'est un départ du bras suivi du bus, d'accord ? Enfin, départ du bus suivi du bras. Donc, départ du bus suivi du bras, ok ? Et ensuite, il y a ce fameux pivot qu'on a déjà travaillé avec la jambe qui revient pour frapper la personne. Ok, donc la personne vous fait avancer, je suis ici, tac, 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 tac. J'ai vu déjà, parce que j'ai fait un petit point de contrôle, que c'était son bras droit, donc je sais que je peux aller par là. Mais même si c'est son bras droit, je peux décider d'aller là. Imaginons que vous ayez une bagnole ici, ou je ne sais pas, vous êtes dans un couloir, et il y a un espace sur votre droite, mais pas sur votre gauche. Et que vous avez pris 100% de votre temps, l'habitude, d'aller vers votre gauche. Ben là, vous êtes foutu, vous ne saurez pas le faire. Ou vous allez paniquer, ok? Donc il faut s'habituer aussi, tac, 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 à le faire dans les deux sens, des deux côtés. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, Sabine, tac, tac, tac. Ok. Alain, Thierry, Greg. Ok. Ok. Salut Hervé. Ok, super. Donc... comme vous l'avez compris, les cours, c'est en ce moment, c'est tous les mardis, tous les jeudis, sauf cas exceptionnel. Au cas où, préfères-tu... Ah, il y a un commentaire. Préfères-tu une entrée intérieure ou extérieure? Alors là, comme on est un peu en différé... ah oui, d'accord, j'ai compris. Ok, j'ai pas de préférence en fait. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'inconvénient, bah, c'est que la personne ait une réaction. Viens, s'il te plaît. Donc... là, tu me pars, je pense, vers l'arrière. Donc, j'avance. Boum, boum, boum. Et là, en fait, pareil, je viens chercher en rupture ici. Alors, plutôt le couteau tourné vers la personne. Et là, vous voyez, hop, je tourne progressivement jusqu'à arriver à l'épluchage. En fait, les deux offrent un avantage. Et l'autre, tac, 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 boum, frappe. Ça, c'est quand même vachement plus simple à faire, à réaliser, parce qu'on est dans l'intérieur de la personne. Donc, je pense que c'est un peu plus simple. Le risque quand on est sur le côté extérieur, quand on est ici, si la personne, alors oui il y a ça, hein, il y a potentiellement ça, mais si la personne est plus grande que vous ou lève son épaule, c'est de ne jamais arriver à impacter. C'est le seul risque. D'ailleurs c'est vraiment le risque qu'on voit généralement avec le pistolet ou autre. Lorsqu'on passe du côté extérieur, on a souvent du mal à aller impacter le visage. C'est très compliqué parce que la personne elle est peut-être comme ça, elle est comme ceci. Bref, elle a son épaule qui va la protéger. Mais bon, ça peut faire le travail déjà. Okay. J'espère que j'ai répondu à ta question, Cédric. Ok. Ok, les amis, merci d'avoir suivi ce cours. Je sais que ce n'est pas évident pour vous. Il y a le travail, il y a la famille. Ça, c'est un horaire qui n'est pas simple. Et puis, maintenant, on est nombreux hein, à donner des cours en direct live. Mais ce n'est pas grave. Encore une fois, je vous l'ai dit, on va continuer la chaîne. Et je pense même qu'on la continuera une fois que ce confinement qui ne nous est pas très utile se terminera. Ok, merci, bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis donc à jeudi, n'oubliez pas, jeudi 19h-20h. Et on continuera probablement à utiliser avec les armes. Je ne sais pas encore quoi, je n'ai pas choisi, mais on continuera avec les armes. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt les amis. Salut.